congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. La coalition M23-RDF s'est heurtée à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi à ce samedi 11 novembre 2023 sur l'axe Karinga en territoire de Masisi. L'armée rwandaise qui œuvre sous couvert du M23 a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, par le porte-parole militaire de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, qui explique. Dans la nuit d'hier vendredi à aujourd'hui samedi, comme dans leurs habitudes, l'armée rwandaise, opérant sous couvert du M23, a attaqué une de nos positions sur l'axe Karenga, avec comme objectif s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations, parce que bien évidemment c'est sous son commandement que cette opération de déjouer les aventures de M23-RDF a eu lieu. Donc, comme je vous le disais, nous avons tenu à présenter au lieutenant-général Falsi Kabwe le matériel récupéré sur l'ennemi. Et donc, pour vous dire que les M23-RDF sont venus tenter leur aventure, mais ils ont fait face à la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo. Une preuve de plus de la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC, même si son président continue de nier son implication. Le Rwanda peut toujours nier son implication dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, mais chaque jour qui passe, les forces armées de la République démocratique du Congo, je parle ici de la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo, feront tout pour mettre à nu, comme nous le faisons, l'implication de l'armée rwandaise dans la déstabilisation de l'est de la République démocratique du Congo. Les FARDC, dans leur mission rogalienne, sous l'impulsion du lieutenant-général Falsi Kabwe, commandant des opérations militaires au Nord Kivu,
sont plus que déterminés à défendre le territoire national dans son intégrité. Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de l'UPRDC s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Thio Essongessa Christian a effectué une série de visites des différentes positions des UPRDC dans les territoires des Niragongo et des Massissi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général de l'UPRDC a clôturé son séjour de travail de 6 jours ici à Goma, le général d'armée. Christian a visité les positions des FARDC dans les territoires des Niragongo, mais également à Massissi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23, qui ne respecte pas l'accord de cesser le feu. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de province du Nord, Kivu, mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce samedi 11 novembre 2023 à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Thio a insisté sur la discipline et l'usage abyssi des réseaux sociaux. Mampinga ya FRDC, notre devise. Notre devise. Notre devise. Nakotika kabino jamais. Na koza la tout le temps na bino. Et puis Goma oyo na kobanda koyaka ngo eri nyoso pona na ndela kabino de plus près. Na ko rappeler bino awate me bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye ezali kolo na bino. Soda omi pesa discipline zala sima ya commandant na yo. Commandant bataillon na yo azali, commandant compagnie na yo azali, chef section na yo. Ba chef de peloton bazali nga na yebeli bino avers la discipline na lingi discipline wana etika la bongo toza na zone moko opérationnel bato bazala ba téléphone erinyo so téléphone wana soldate. Est-ce que vous êtes prêts à coquer dans la front? Très bien. Le général d'armée Thio Essongessa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Morali Kassi dans la province du Haut-Katanga. Cette mission entre dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires recrutés suite à l'appel à la mobilisation générale et du président de la République et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi. À cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Section. Debout, progressez. Est-ce après les briefings des colonels Ikomu Bienvenue et Zanza Desema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura. Le général Thio s'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie morale, il a prêché la discipline, le patriotisme, la politisme et la loyauté. Nazalaki, Nakoma, Mokonzi Amboka, Lobinangai, général, après Kuna, aucun de peu Moura. Parce que Naotike va outiko sili sa formation à Bango. Yango, Naotiko assisté. Ma manœuvre n'a se péli parce que le kiki top me conduit à percevoir le nom de son bête. Discipline, oh, y'a besoin de kisa awa, et ce qu'il y a awa, même ici, quand vous kende, pour la kisa yango, n'a pas de connaissance, pour protéger Bango, mais devant mon gouna, et c'est le lien libre. Est-ce que tu es au cané? Pour trahir un mot qui va top en ayoté. Est-ce que vous êtes prêts à coquer dans la front? Il faut être déterminé pour la école et s'engueuler même à Tana Koufa. Cette année, le chef d'état-major général visite Moura pour la 4e fois.
Le commandant 22e brigade de réaction rapide et commandant des opérations au Salama, le général Douni Akashindi Fabien, a effectué une descente au camp militaire Maïto à Kalemi ce vendredi 10 novembre 2023. Sur instruction de la haute hiérarchie des FARDC, l'objectif est de faire un état de lieu général sur la spoliation de ce patrimoine militaire existant depuis l'État belge. Les services de cadastre restent innocents. Ce sont les gens, certains colonels, certains majors, certains adjudants, à un certain moment, se sont distribués les camps. Les policiers sont restés constants, ce n'est que l'armée. Les policiers gardent leur sang jusqu'aujourd'hui. Mais pour l'armée, tout a été déchiqueté. Accompagné des membres de son état-major, ainsi que du commandant actuel du camp Maïto, le capitaine Muyumba Makezijan, le commandant a visité plusieurs sites dans l'enceinte de ce camp militaire, notamment l'Institut Maïto et la tombe du feu capitaine Maïto. Par cette occasion, un officier FARDC retraité, auteur de plusieurs ventes de terrain, est mis aux arrêts à la disposition de l'auditorat militaire. L'ancien, le haut génie qui a signé plusieurs actes, je l'aimais d'abord qu'il se justifie sur base de quoi il s'est donné le pouvoir de vendre les camps. Il va se justifier à la justice. Signalons que ce patrimoine d'État, occupé jadis par les forces armées aïroises, est dans un état d'enclavement total par plusieurs constructions anarchiques. Le vernissage du livre guide pratique de gestion de ressources humaines du colonel Makungu Landamoko Bavon a eu lieu ce samedi 11 novembre 2023 à l'amphithéâtre du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Dans ce monde des circonstances, l'auteur du livre, expert en gestion de ressources humaines, a présenté l'économie du livre en deux grandes parties, à savoir notion sur la gestion des ressources humaines et celle sur la pratique de méthodes et conseils à observer par les gestionnaires tout au long de l'exercice de sa fonction. Il est divisé en deux parties, à savoir la première partie se focalise sur les notions de la gestion des ressources humaines. Celle-ci est subdivisée en 7 sous-points. Nous citons présentation de la gestion des ressources humaines, les définitions de la gestion des ressources humaines, les objectifs de la gestion des ressources humaines, les domaines de la gestion des ressources humaines, les missions de la gestion des ressources humaines, les politiques de la gestion des ressources humaines, enfin, la conduite et l'intelligence émotionnelle d'un directeur de ressources humaines. La deuxième partie de votre manuel consacré à la pratique développe 10 principes directeurs, à savoir la planification des ressources humaines, la dotation d'une entreprise en ressources humaines, la mise à la disposition de l'employé d'un manuel de procédure, l'accueil et l'intégration des nouveaux employés dans l'entreprise, l'élaboration de la politique de rémunération, l'évaluation du rendement de l'employé, la formation et le développement professionnel, la supervision et l'encadrement, la santé et la sécurité au travail, et enfin, les mesures disciplinaires. Cette cérémonie a été honorée par la présence du général-major Lukuki Lametikwiza Marcel, secrétaire général à la Défense et parrain du Louvre. Docteur Kimwanga Kenny Emmanuel Pellerin, professeur ordinaire, recteur honoraire à l'UPEN qui a préfacé cet ouvrage, ainsi que d'autres hauts cadres académiques et officiers de FARDC et de la police nationale congolaise. Le baptême a été effectué par le secrétaire général à la Défense, le parrain de ce livre, livrer ses impressions à ICO militaire. Et merci à tous pour être venus ici répondre à l'invitation du colonel Landamoko. Je vous remercie de cette disponibilité, un samedi, un jour week-end, que vous consacrez à la célébration de ce ouvrage. Mon rôle aujourd'hui est de baptiser ce livre, ce nouveau-né dans le monde de la vie. Dans son télégramme numéro Haute Cour militaire, barre 059-2023, du 15 septembre 2023, le premier président de la Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo a opéré une permutation de magistrats militaires du siège à travers la République.
Pour ce qui est de la cour militaire de la Tchopo et les Ouélé, un nouveau premier président, le colonel magistrat Chunguyuma Gabriel, vient de remplacer l'ancien premier président, le colonel magistrat Bulukungu Makinisi Joseph, à ce poste. C'est pour cette raison que les deux officiers magistrats ont été reçus ce vendredi 10 novembre 2023 à midi au cabinet du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbang Machita Marcel, pour bien sûr une séance de revoir pour le sortant et présentation des civilités pour l'entrant. C'est vers 18h locale que la cérémonie de remise et reprise a eu lieu au cabinet du premier président de la cour militaire de la Tchopo et les Ouélé, après un mot du premier président sortant au magistrat militaire et tous les personnels judiciaires de cette cour. On a pour remercier Bino, on a pour la mine, on a tout sali et l'on a Bino, on a tout à qui Bino Nyon, en bonne santé, on a la cosette la guerre, on a tant on a tout coupé à ta soldat mon côté. C'est ça, vous voyez? Oui. Vous voyez, vous mon congé à Sika, vous tambour la mine, quand on a mis au banal, vous tambour la mine. Vous voyez, respecter Milego, discipline militaire, et Zengami, soldat Nyonso, Azarati Manayam. Mon congé à Zabé, Moko, au Banalero, premier président à la cour militaire, il y a Tchopoué Ouélé. Na bino ba sodo bozalia, na ba o bazali na buta, na ba o bazali na itiro, mon consigné zali, colonel magistrat, Chungu, Yuma, Gabriel, Obanda, Mokolomanelo. Après la reprise de ses fonctions, le colonel magistrat Chungu a livré ses impressions. Mes impressions, ce sont les impressions des joueurs, parce que j'ai pu retrouver avec les gars. J'ai retrouvé le premier président sur un amour de longue date, un collègue avec qui nous avons travaillé dans les différentes cours militaires. Et aujourd'hui, c'est lui que je venais de remplacer par la tête de cette cour militaire. J'ai été bien accueilli et je suis venu pour continuer le travail que mon collègue, le premier président, le colonel magistrat, le Congo Joseph. Pour les hommes de troupes, c'est seulement de rappeler la discipline militaire. En tant que commandant, en tant que le premier président de la cour militaire, je n'ai pas seulement la Tchopo, je supervise aussi Bouta et Isiro. Je pense que tout le monde va continuer à travailler comme par le passé, toujours dans la discipline, car la discipline est la meilleure des armées. Notez que la cérémonie était clôturée par une série de photos de famille avec tout le militaire de la cour militaire de la Tchopo dans la salle de ses audiences ordinaires. Le commandant 31e région militaire et commandant en place a présidé une réunion de commandement mixte police nationale congolaise et forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la recherche de la sécurité de la ville de Kisangani et sa périphérie, où règnent les conflits communautaires entre le peuple Mbole et leurs alliés, l'Angola avec leurs alliés, dans la salle des opérations ce jeudi 8 novembre 2023. Le général-major Mujinga Mishtimute a écouté les interventions de la PNC et des FARDC des services spécialisés. Les éléments de la PNC en appui avec ceux des FARDC pour patrouiller et remettre l'ordre public dans les parties indexées dans l'insécurité. Le général a accordé aussi une audience à une équipe mixte de la ministère national de la santé provinciale qui sont venus faire un plaidoyer auprès du commandant en place de la sécurisation de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés par tous les services de sécurité. De lutte contre le paludisme en RDC. Merci beaucoup, commandant. Nous sommes venus pour un plaidoyer de haut niveau en faveur de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires dans la province de Tchopo. Nous sommes sortis avec
satisfaction parce que nous avions bénéficié, un, de l'accueil du commandant région et deux, de l'engagement personnel du commandant qui, au travers lui, nous voyons toutes les forces de la défense de la province pour la sécurisation de bien, notre bien qui est la moustiquaire employée d'insecticides, qui est un appât, n'est-ce pas, et des personnes, les acteurs qui seront sur le terrain. La journée étant chargée, le commandant 31e région militaire est allé à l'aéroport de Bangoka pour accueillir le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son excellence Mohindo Nzangi, et celui des vice-ministres de la Défense nationale, son excellence Sami. C'était Kisananyu, colonel Kawaya Munyoma Paul. Les militaires des 142e bataillon de la 14e région militaire ont rétabli l'ordre au plateau de Bateke, précisément à Mbakana, dans les villages jadis occupés par les assaillants Mobondo. À son arrivée sur le lieu, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Panzu Kibanzila Théodore, commandant de ce bataillon de couverture et surveillance, a, au cours d'une parade mixte, exhorté les militaires et les policiers à la discipline, au patriotisme, à la vigilance et à la bonne collaboration avec la population civile en vue d'en finir une fois pour toutes avec ce phénomène Mobondo qui a trop duré. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Antoine Félix Tshisekedi, a pesé ordre et pas chef d'état-major général. Bazwa Bisso, Choya Katino et Sika pour la sécuriser, pour la arrêter, progression et milice Mobondo. Donc nous sommes en opération. Ton métier qu'on maîtrise la situation. Oye, je vois qu'il vitesse, mon corps, il y a ma casse. Ton maîtrise, Yango. Il y a un adage. Les chefs d'état-major général, il y a forces armées de la République démocratique du Congo. Message n'aïe, ezali moko. Oye, ezali kopesa. C'est la discipline. Armée, oye, zangi discipline. Et l'on a kabitumbate. Parce que la discipline est la mère des armées. Et nous sommes soumis à un règlement militaire. Moussala Sode, Zali Kaka Moko, les amis Balefi. Et discipline militaire, Zali Kaka Moko. Moutoya Keneke, à la contre la discipline militaire. Batanga Kaye, Pe Azwaka, et tout Mounaye. À cette occasion, la population a exprimé sa joie en voyant cette unité chargée de sa protection. Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale,
au bureau des territoires et partout se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Amboka Nabiso. Magazine de débat contradictoire qui reprend pour vous des grands sujets d'actualité débattus par deux invités de tendances différentes. Parce que lui, M. Félix Tshisekedi, il faut être aussi humble comme nous le sommes, de reconnaître qu'il a fait quand même quelque chose. Mais le quelque chose qu'il a fait, c'est ça la vraie question, je crois que nous allons en débattre. Est-ce que ça suffit ou est-ce que ça répond aux aspirations, aux attentes de notre peuple? Votre leader politique, malgré que nous n'avons pas encore commencé les débats, a reconnu implicitement par là que la manière dont les affaires étaient conduites était la meilleure. Quelque part, quand il dit le problème de la nationalité de certains candidats n'ont pas encore été résolus, mais ils sont quand même, ils ont le droit d'aller battre. Donc là, au même moment, il accuse.